Ils ont tous en eux quelque chose de baladur, cette volonté de pressurer les plus pauvres, de soutenir, d'enrichir les plus riches, de se partager les sinécures. Quelque chose en eux de baladur, des artifices pour justifier nos sacrifices, des artifices, waouh! Pour accroître leurs bénéfices. Je suis pas chanteur, vous savez. Les sacrifices des uns font des autres les grands bénéfices. Quelque chose en eux de baladur. Ainsi continuent les bébés baladurs. Même pris les doigts dans la confiture. Du haut de leur inculture, ils nous envoient balader. Ouais, vous êtes sûrement un meilleur chanteur que moi, alors allez-y. C'est la crise, sucer les noyaux des cerises. Quand vient la reprise, retour à la loi du marché, aux théories du ruisseau de prospérité. Quelque chose en eux de baladur. Déjà un héritier de Pompidou, avec perfide à la censure. Nationaliser les dettes, privatiser les bénéfices aux bonnes relations. Ainsi continuent les bébés baladurs, des efforts et des sacrifices. Ils sont bien leurs fils, ces pantins de mauvais augure. Ouais, ce n'est pas vraiment une parodie de quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi, j'ai squeezé l'introduction et pris d'immenses libertés avec les couplets et le refrain. Les titres, entrés dans le patrimoine musical contemporain, on peut dire ça, peuvent permettre ce genre d'appropriation qui ressemble donc plutôt au sketch. Vous voyez, il n'y avait pas de musique non plus, et mes intonations, oui, sont johnnytisées. Ce commentaire figurant au même niveau que les 6 mots destinés à sortir de toutes les lèvres déconfinées. Quelque chose en eux de baladur. Et non, je sais, je plaisante. Vous serez une minorité à découvrir ce texte, d'où l'importance que vous vous impliquiez dans sa propagation. Oui, chantez, tel un vaccin contre l'inculture de notre époque. C'est bien d'inculture triomphante qu'il s'agit. Je m'adresse à une minorité pour laquelle le comportement d'Édouard Balladur est signifiant. La référence à Édouard Balladur, son entrée à Matignon avec l'antienne. Il va falloir faire des sacrifices. En 1993, à sa découverte du métro de Paris, lors de sa tentative présidentielle et son remarquable Il fait chaud. Les médias d'accompagnement des installés ne semblent pas encore avoir remarqué ou osé exprimer la parenté évidente avec cette icône de la bourgeoisie, du Bruno Le Maire déclarant. À la sortie de cette crise, il faudra faire des efforts. Quelque chose en eux de baladur. Peut-être même dans le choix des chaussettes, alors qu'il faut prendre les chaussettes comme elles viennent. Parfois même dépareillées. Ouais, quelque chose en eux de baladur.